Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, c'est parti. Donc j'ai décidé de tester la marque de shampoing Pomelo Plus Co. Alors vous savez que sur ma chaîne j'aime bien tester des produits pour cheveux. Quand j'étais blonde, je testais énormément de marques qui servent à prendre soin du blond ou à déjaunir le jaune en fait qui vient à force de faire du blond. Et là mes cheveux, voilà, je les ai colorés à plusieurs reprises, ils sont un peu secs, un peu ternes. Donc je vais tester la marque Pomelo. Alors j'ai reçu, voilà, dans un petit carton comme ça, une gamme complète shampoing après shampoing, soins, tout ça. Donc je vais vous expliquer à quoi sert chaque produit bien sûr. Et surtout, je vais tester les produits dans cette vidéo. C'est le but, hein, quand même. Je vais prendre le premier venu et je vais mettre mes lunettes. Hop! Donc, dans un premier temps, j'ai ça comme produit. On dirait, vous savez, les pousses-pousses, les petites gourdes, là, on va emporter partout. Donc là, c'est le... J'ai noté parce que c'est marqué en anglais. Hein, je dirais, c'est un peu le problème. Mais sur le site, tout est en français. Donc, c'est un masque protecteur de chaleur et prolongateur de couleur. Bien sûr, pour tout type de cheveux. Ensuite, il y a le shampoing. Donc, c'est des gros formats quand même. Là, on part sur du 250 ml. Donc, il y a différentes gammes. Hein. Là, il y a la spéciale couleur et spéciale protecteur de chaleur, en fait, faut le dire. Hein. Donc, il est à base de figues de Barbarie et de provitamine B5, celui-ci, et protège de la chaleur. Je vais sentir quand même. Je vais l'ouvrir. Ça sent super bon. Ensuite, il y a le Cosmic Wave, comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils disent que cette gamme est super bien aussi pour les cheveux ondulés, bouclés. Cette gamme sert à faire de belles boucles et tout, ils le disent aussi. C'est un spray sans rinçage qui permet de protéger vos cheveux et bien sûr de tenir la couleur un peu plus longtemps. Et ensuite, on a aussi un conditionneur. Alors, il me semble que le conditionneur, d'accord, c'est un après-shampoing. Ça sent super bon. Vraiment, l'odeur est ouf. Ça sent très très bon. Alors, je tiens à dire que les produits sont quand même vegan. Dedans, vous pouvez retrouver de l'acide hyaluronique, de l'algue, de la noix de coco, des feuilles de bouleau ou de l'huile d'amande et encore plein d'autres ingrédients naturels. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça a l'air super intéressant. J'ai regardé un peu les avis sur internet, bien sûr, et les retours sont assez positifs. Donc sachez que vous pouvez créer votre propre kit selon votre texture de cheveux, selon votre couleur, s'ils sont décolorés ou pas. Vraiment, le site est bien pour ça. Il est en français. Donc là, maintenant, j'ai envie de vous dire, les gars, il n'y a plus qu'à essayer. Après, je pense que voilà, comme tous les soins, c'est à long terme qu'on verra la différence. Mais parfois, dès le premier lavage, on voit vraiment qu'il y a un changement. Donc ce que je vais faire, je vais me filmer en train de me laver les cheveux. Donc voilà, fou, j'ai une tête de fatiguée. Comment dire, j'ai séché mes cheveux, mais ils sont encore un peu humides. Puisque moi, à la base, je ne les sèche jamais au sèche-cheveux. Je laisse naturellement sécher mes cheveux. Par contre, le spray qu'on utilise à la fin pour protéger de la chaleur vos cheveux, moi, je m'en sers surtout quand je pose les plaques ou j'ai une brosse lissante aussi, vous savez, avec des peignes. Donc ça, sincèrement, c'est super utile. J'utiliserai ça tout le temps. Donc, j'ai commencé par le shampoing. Alors déjà, il a une odeur de fou. Franchement, il sent super bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça mousse. Donc, il fait son taf, il lave bien les cheveux. Ensuite, j'ai utilisé l'après-shampoing. On est sur la même gamme, la même odeur. Sachez que j'en ai mis que... De ce niveau-là jusqu'aux longueurs, j'en mets pas en racine. Parce que le but, c'est que mes cheveux ne régressent pas vite. Et à chaque fois, quand vous mettez des masques ou des soins au niveau de la racine, ça régresse assez vite vos cheveux. Donc, mettez bien sur les longueurs. Donc, ça, c'était bon. Et après, j'ai mis le masque. Mais en fait, je me suis trompée. J'ai lu, quand j'ai posé mon masque, que le masque est à mettre en premier. Vous le mettez au frigo pour qu'il soit bien frais. Vous le mettez sur vos longueurs et on sent qu'il est un peu granuleux, bien gras. C'est un masque qui nourrit vraiment vos cheveux et qui protège la couleur. Mais il faut le mettre avant le shampoing et l'après-shampoing. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le système, c'est-à-dire que j'ai laissé poser le masque. Et après, j'ai refait un shampoing et un après-shampoing. Donc c'est pareil, le masque hydrate bien vos cheveux. Vous le verrez, franchement, ils sont voilà, super lisses. Ils sentent très bon, on a la luminosité, ils sont moins fades. Après, je vous avoue qu'il faut utiliser à long terme, comme tous les produits, pour voir vraiment l'effet bénéfique ou pas. Je vous marquerai d'ici quelques semaines mon avis après plusieurs utilisations, mais en tout cas, dès la première utilisation, c'est ouf. Et en dernier, bien sûr, j'ai utilisé le spray qui protège vos cheveux de la chaleur. Donc ça, vous pouvez vous en servir tout le temps, c'est sans rinçage. Moi, je l'ai posé sur cheveux mouillés, mais vous pouvez le poser aussi sur cheveux secs. C'est-à-dire que le matin, tu as envie de te lisser les cheveux, tu mets un coup de spray et tu lisses tes cheveux. Il n'y a pas de souci. Donc là, je suis ravie. Il me semble que de temps en temps, il y a des codes promo où ils font des lots. Voilà, n'hésitez pas à les voir sur le site. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était marqué en anglais, mais en fait, derrière chaque packaging, c'est bien marqué en français. Tout est bien expliqué. Donc voilà, mon avis est plutôt positif. Vous savez que j'aime bien tester pas mal de produits pour les cheveux. C'est mon truc, c'est mon dada. J'adore changer de couleur de cheveux. Donc forcément, je m'adapte aussi. En tout cas, je valide cette marque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, ciao.